dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Holy Charlie de et illustré par Yasmine Ismail et édité par les éditions Thomas Jeunesse. Alors à votre avis, est-ce que Charlie va aller au lit? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Don, 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 don. C'est l'heure d'aller au lit, Charlie. Oh non, Charlie, où vas-tu? Charlie? Ce n'est pas ton lit, Charlie. Charlie, qu'est-ce que tu fais tout là-haut? Les arbres ne sont pas des endroits pour les chiens. Oula! Où est ton lit, Charlie? Charlie! 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 Attention à la flaque de boue! Trop tard! Oh, Charlie, tu es tout sale! C'est l'heure du bain! Attends, Charlie, attends! Tu ne t'es pas séché! Oh, flûte alors! Allez, Charlie, c'est l'heure du dodo! Charlie? 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 Il est très tard maintenant, Charlie. Au lit. D'accord, je te lis une histoire. Mais une seule. Maintenant, où est ton lit? Ce n'est pas ton lit, Charlie. Ce n'est pas ton lit, Charlie. Ce n'est pas ton lit, Charlie. Oh, Charlie, c'est mon lit. Allons trouver ton lit, Charlie. Enfin. Bonne nuit, Charlie. Fais de beaux rêves. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, dans l'histoire, Charlie est un chien, mais il fait beaucoup penser aux enfants qui n'ont pas envie d'aller se coucher et qui inventent tous les prétextes possibles pour ne pas aller dormir, comme de demander un verre d'eau, une nouvelle histoire, de vouloir encore jouer, etc. Ben là, Charlie, il fait pareil, il est allé dehors, il a fait le bazar, il s'est tout sali, du coup, il était même prêt à prendre un bain, alors que les animaux, les chats, les chiens, tout ça, en général, ils n'aiment pas toutes et tous se faire laver. Mais là, si ça permet d'aller se coucher plus tard, bah, pas de souci, on veut bien se laver. Donc, c'est une façon humoristique de montrer, via Charlie le chien, cette façon qu'ont les enfants de ne pas vouloir aller se coucher à temps. Donc, c'est sûr qu'on a encore envie de profiter quand on a bien joué, qu'on s'est bien amusé, ou qu'il nous reste des choses à faire. Mais il n'empêche que c'est très important d'aller se coucher tôt pour faire de bonnes nuits de sommeil, parce que c'est pendant la nuit que notre cerveau nous permet d'apprendre les choses qu'on a vues pendant la journée, mais aussi de reposer notre corps. Donc c'est vraiment très important d'aller se coucher et de bien dormir. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, restez au frais et hydratez-vous avec de l'eau, vu les chaleurs que l'on a en ce moment. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut !